Et bonjour mon cher Ludovic. Bonjour Louis, ravi de vous retrouver pour cette ultime rencontre de l'année qui va réunir les plus grands. Et oui Ludovic, après une année mouvementée, c'est la rencontre qui va permettre de mettre les choses à plat et de régler les différends à la loyale. À la loyale, vous êtes sûr? S'ils arrivent à garder leur sang-froid, oui. Alors j'espère qu'ils n'ont pas pris un coup de soleil. Vu le mois de juin que nous avons eu, quoique, aucun risque, Ludovic. Ah ah, bien c'est ce que nous allons voir. Et ça commence mal, puisque le premier à se présenter est El Flamenco Azul, le bel Hidalgo et la plume bleue. Toujours aussi caliente. Attention Ludovic, une plume peut en cacher une autre. Ah ah, vous voulez dire qu'il aurait gardé les séquelles du spectacle au château de Buzet? C'est très possible, mon cher Ludovic. Et voilà la vaillante Amazone. Après le feu, la glace. C'est je t'aime moi non plus entre ces deux-là. Mais d'ailleurs, ne devait-il pas se marier déjà l'année dernière? Si, il me semble bien, mais depuis le spectacle de Buzet où El Flamenco Azul a rejoint les troupes du mal, rien ne va plus dans leur couple. Oh là là, El Flamenco Azul est un petit faire de joli cœur dans le public. Quelque chose me dit qu'ils ont encore un compte à régler tous les deux. Aïe aïe aïe, ça va très mal se passer. Se fait littéralement botter les fesses. Ah là 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 là. La flamme maléfique de l'Hidalgo n'est qu'un pétard mouillé. Ah oui, on peut le dire, oui, le flamenco a été noyé par une belle douche froide. Cela devrait calmer ses ardeurs jusqu'à la rentrée prochaine. Espérons-le. Mais regardez, lui qui s'avance parmi nous. Tout droit sorti de la royauté française, c'est... Je vous laisse le présenter. Alors, nous avons affaire au magnifique flamboyant de... Quoi De Stinger... C'est très compliqué, appelons-le God. En plus, en anglais, ça veut dire Dieu. Ah, moi, j'aurais mis un E. Mais regardez quelle élégance! Va-t-il oser se battre avec son beau costume? D'ailleurs, lui, je vois qu'il a oublié sa fraise. Eh oui, mon cher Ludovic, c'est pour mieux y finir. Ah. Qui va oser le défier? Mais c'est le Père Noël. Mais non, Ludovic, c'est Spider-Man. Vous savez bien que le Père Noël n'existe pas. Mais alors, qui est ce gros monsieur couché sous le sapin? Regardez-le, on dirait que ce chevalier a réellement une araignée au plafond. Eh bien, nous allons voir si sa vie nous intéresse-t-il. Ah.
beaucoup de la provocation dans ce match. Ça ne doit pas être très agréable. Visiblement, il aime ça quand il retourne les mains. Le ventre, le dos, mais par où passe-t-il ? Ah, je crois qu'il va devoir se rendre. Attention, oui, regardez. Oui, Ludovic, c'est l'Aroglan. Et j'ai bien dit l'Aroglan qui arrive derrière Gad. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il va prendre? Mais oui, cet effet n'est pas du tout de la même époque. Il est en retard de plusieurs siècles. Mais non, on avance. Mais non, en retard. Si on se base sur l'année de... Oui, bon, on s'en fout. Le combat est déjà commencé. Eh bien, il gagne. En fait, il est déjà fini, je crois. Le combat est déjà fini, quoi. C'est déjà fini. Pour le Seigneur God, oui. Cependant, son arroglant adversaire va devoir se sortir les doigts du nez. C'est exactement ce que j'allais dire, Ludovic. Oh, c'est Jack le Daniel. D'ailleurs, savez-vous d'où lui vient son nom, mon cher Louis? Absolument pas, mon cher Ludovic. Eh bien, la légende prétendrait qu'il serait le fruit de l'union illégitime entre un Jack Russell et une bouteille de whisky. Information non confirmée, mais au vu de ses performances sur la saison, il risque encore de finir à quatre pattes ce soir. Ouh, ça doit faire mal aux gencives. Et oui, Jack Daniel ne voit plus clair, quoique, comme d'habitude, je dirais. Ah, je pense que Jack le Daniel devrait enlever ses lunettes, ça lui prendra deux verres de moins. En effet, je pense que là, il a un ménisque en moins, coucou. Mais non, mais c'est pas possible! Ah, il le finit à la main! Aïe. Humiliation! Humiliation pour la Roblox! Cela restera dans les annales! Mais. Vous avez vu, mon cher Ludovic? Il a failli le trucider! Mais complètement! Ah là 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 là, mais que fait Francis, notre maître d'armes? Notre maître 65, on a sa fierté quand même. Vous êtes sûr, Ludovic? Ah, absolument, c'est ce que m'a confié Catherine, son épouse, lorsque. Non, Ludovic, je ne veux absolument pas le savoir. Eh bien, néanmoins, on peut en effet noter l'absence de notre maître 65 d'armes. Est-ce que Francis aurait eu peur? Est-ce que Francis est un pleutre? La couleur? Pleutre? Mais oui. Je ne te permets pas! Francis n'est sûrement pas un pleutre! C'est le plus courageux d'entre nous! Mais c'est mon micro! Bien récupéré? Je l'ai. Mais. Pas la barbe! Oh non, oui! Oui, contrôlez-vous, je vous en supplie! Non, n'y allez pas! Oui, restez là! Restez là, oui! Mais tu vas me lâcher, toi! Oh! Mon Dieu! Revoilà l'arrogant, il s'est pris une pancarte tout à l'heure, mais ça ne lui a pas suffi. L'arrogant mérite décidément bien son nom. Tu en as déjà pris une, tu vas prendre une deuxième. Et celle-là, elle t'attend depuis un moment. Comme si c'est toi qui as des planètes. Oh là là, lui devient Nidog la Grand Goule. Le côté le plus sombre de sa personnalité. Le plus meurtrier aussi. Oh, je ne veux pas chercher la peau de ce pauvre arrogant qui s'est engagé sur un terrain glissant. Oh, mais voilà peut-être
être notre dernier espoir en la personne de Radegonde, figure bien connue des Pictaviens. Oh, quel carnage! Midrod fait deux têtes de plus que Radegonde, elle va se faire dévorer! Il n'y a plus personne pour la sauver de la férocité démoniaque de ce monstre! Elle ne peut à présent compter que sur elle-même! Hey! On dirait que l'avantage est en train de changer! Radegonde de s'émaigner le paix! Ah, Nidhogg va l'avoir en travers de la gorge! Ou pire encore! Qui l'eût cru? Eh oui, l'histoire se reproduit. Radegonde a une fois encore maté la grand-goule, et c'est sur cette victoire que s'achève le SPE Royal Rumble 2024. Alors qui du flamenco azul ou de la vaillante Amazon va faire la vaisselle du mariage? Notre maître 65 d'armes retrouvera-t-il son autorité? Oui, reprendra-t-il son apparence normale? Vous le saurez l'année prochaine. D'ici là, adhérez au Stade Poitiers Escrime. Coincé.